Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, on commence par la mauvaise nouvelle. On fait toujours comme ça dans les familles du Sud, surtout en Ardèche. La mauvaise nouvelle, c'est que 2 minutes pour parler d'eux s'arrête. Tout est validé. D'accord. Tout est validé. C'est validé. Et c'est pour amener la bonne nouvelle, en fait. La bonne nouvelle, c'est que Road Trip marche bien. Et donc, si on arrête 2 minutes pour parler d'eux, c'est pour que je puisse plus me consacrer à Road Trip. Et à la fin du mois, il y a le Festival d'Angoulême. Ben justement, Road Trip va aller au Festival d'Angoulême et couvrir l'événement. Et tous les jours sur No Life, vous aurez en presque direct l'actu de la journée d'Angoulême, plus une soirée spéciale le 30 janvier, le vendredi soir, avec plein de rediffusions de Road Trip, mais aussi plein d'émissions de No Life qui se mettent aux couleurs d'Angoulême. Et vous pourrez voir plein de petites choses. Ce sera un programme qui durera, à mon avis, 2-3 heures. Alors, le 31 décembre, on vous a proposé sur la scène un karaoké japonais en Romaji. Il faut voir que c'est une soirée qui nous a demandé pas mal de travail, à commencer par tout ce qui est autorisation, puisque pour chacun des clips, il a fallu demander la validation auprès des labels français ou japonais, selon les artistes, et que selon les artistes, on les a pas forcément tous eus, mais voilà, on en a eu quand même pas mal, au total 22 clips. Alors une fois les autorisations acquises, il faut récupérer les pistes instru. Parfois ça prend un peu de temps et parfois ces pistes n'existent même pas, ce qui nous oblige à supprimer un titre qu'on voulait et que finalement on ne peut pas faire en karaoké. Et enfin, il faut poser les sous-titres. Alors ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ces sous-titres, il faut les enregistrer les uns à la suite des autres et les animer un par un. Et ben, c'est très très long. Alors déjà, donc il faut récupérer la piste instru. Alors par exemple, là, pour Avex, ils nous ont mis à disposition la piste instru directement de Oral Vampire. Donc on la télécharge. Ensuite, sous Avid, il faut donc la synchroniser avec... voilà, donc là, on a les deux pistes, la piste originale et la piste instru. On voit qu'ils sont bien superposés l'une à l'autre, puisqu'il n'y a pas d'écart. Donc voilà, là on a animé la piste bleue, donc qui vient recouvrir progressivement la piste blanche. Là c'est relativement simple, la phrase avance à une vitesse constante, mais c'est pas le cas pour tout. Donc certaines phrases, il y a un changement de rythme au milieu de la phrase, donc il faut ensuite que j'ajuste, que la piste bleue, et bien voilà, je joue dessus, et ensuite par exemple au milieu, ça m'est arrivé de devoir jouer, ralentir ou accélérer pour certaines phrases, d'avoir en ajouté à jouer là-dessus 5 à 6 fois pour une phrase qui n'excède pas au final une demi-seconde. Et donc au final, ça représente environ 1000 titres. Et quand je dis 1000 titres, je parle pas des refrains qui reviennent, hein, c'est 1000 titres en tout. Donc posé, c'est peut-être pas loin de 1200 peut-être. Je vais pas compter. Et enfin, il a fallu tourner les plateaux entre chaque clip, donc avec José et Caro. Mais arrêtez de regarder. Il a l'impression. Non mais c'est vrai, c'est super, super intimidant en fait. Pas l'habitude du public. Chut, silence, on essaye de... d'en faire une bien. Ta gueule. Il y a des cons hein, sur le forum. C'est des fous. Hein. Merde, c'est enregistré. Je plaisante. Bon, en même temps, les gens vont pas nous entendre chanter, alors c'est pas grave. Non, mais je crois qu'on l'a. Ouais, ça ressemble au générique des petits malins. Mec, celui tout le temps, rapprochez-vous. Bah oui, oui. Mais c'est pourquoi ? Mais non, mais c'est parce que je suis magnétique. Hey, mais Caroline, qu'est-ce que... Ah bon ? Alors ? Eh, dis-moi. C'est dur de mal jouer. C'est dur de bien jouer aussi. Ah merde, ça rec ! J'ai l'habitude de faire des conneries dans les autres. Ça rec, merde, t'as vu ça rec ? Ouais. Bah merde, j'ai dansé. Ah bon ? Mais personne s'appelle Tom. Tom Rec ? C'est qui ? Essaye à l'envers. Il va être bien ton debug mode, il va être bien. Mais voyez, on n'a pas besoin de grand chose. Hein. Tout est là. A priori, vous avez été nombreux à apprécier cette soirée, donc ça nous a fait très plaisir. Vous avez été quelques fous également à vous filmer et à nous envoyer vos vidéos. Donc on essaiera de vous montrer ça d'ici quelques semaines.
En tout cas, merci d'avoir suivi cette soirée et puis à bientôt.